Qui est de Puma ici? Who is from Puma here? Ok. Fine. Les gens de Puma venez. People from Puma come. Tous ceux qui sont de Puma venez. All those who are from Puma come. Allez-y. Come. Ok, je vais vous montrer quelque chose. I will show you something. Toutes les femmes de Puma et les hommes de Puma, il y a une malédiction qui a été pratiquée dans votre village. Je vais raconter une histoire. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Mais vous allez vous renseigner chez les anciens de votre village. Puma est un village, c'est une ville sacrifiée. Il y a quelque chose qui s'est passé à Puma. Dans les mystères prophétiques, l'Esprit du Seigneur m'a montré ça sur Puma. Et ce que j'ai vu à Puma à l'époque, ça fait très longtemps, hein, il y a eu un marabout puissant dans votre village qu'on appelait Ati. 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 Et c'est un marabout qui était tellement puissant que le chef de Puma de l'époque le redoutait. Et il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce marabout à cette époque-là. Est-ce que le nom Betoumé est de chez vous? Hein? Betoumé, comme Betoumé. Est-ce que c'est de chez vous? Hein? Oui, à Lokende. Betoumé, c'est quoi? What is Betoumé? Betoumé, c'est quelque chose qu'on a tapé, abandonné. Bien. Fine. Votre chef à l'époque s'appelait Betoumé. 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 Allez demander. Il y a eu un chef à Puma. Oui, on à Lokende. Herba Puma. On l'appelait comment? Betoumé, Betoumé. 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 Yes. Jesus. À l'époque de Betoumé, il y a eu un sorcier puissant qu'on appelait Ati. Ati. Juste prononcer son nom, les gens avaient peur. Et cet homme a pris sept canaries, sept marmites noires avec la terre cuite. Et il a enterré ça au centre du village. Et avec des maléfismes et des malédictions sur les enfants de Puma. Et le contrat qu'il a fait avec Satan, c'était que personne de Puma ne va s'élever jusqu'à devenir grand. Ni homme ni femme. Et ça, c'était pour devenir puissant. Et il l'a fait. Et la malédiction a commencé à serpenter dans tout Puma. Dans tout Puma. À l'époque, il y avait un cours d'eau. Qu'on appelait, c'est comme Nios. Niem. Ah? Il y avait un cours d'eau qu'on appelait comme Nios. Et c'est comme si après on a commencé à appeler le cours d'eau c'est Niem ou c'est Niem. Et c'était, hein? Niem veut dire quoi? La mort. C'est votre patois. Mm-hmm. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc, so, c'est un cours d'eau. It was a stream. Et ce cours d'eau, and that stream, aujourd'hui, c'est resté un ruisseau. En saison sèche, ça sèche. En saison pluvieuse, l'eau coule, l'eau ruisselle là-bas. Donc, on pratiquait cet ati. C'est où il a enterré les canaries, les sept canaries dont je parle. Et il a proclamé la mort sur votre village. La mort sur les destinées. Et vous me révélez que Niem veut dire la mort. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord. Zameta wa inake lasmo in radesta udalo froida. Anesalatumi wa inos loika. Écoutez mes amis, il y a une famille Ati. Ati, peut-être je prononce mal. Ati, à Puma. Il y a une famille Ati. Ati. Matip. Ah? Matip.
Hein? Matip. Je ne parle pas de Matip. Je parle de Ati. Il y a une famille Ati à Puma aujourd'hui encore. L'Esprit de Dieu m'a amené à Puma. Vous arrivez à Puma. Vous traversez Puma. Hein? Quand vous traversez Puma, vous entrez. Puma, vous entrez. Il y a une route non goudronnée qui va vers notre village. À la sortie de Puma, il y a un village qui est rattaché à Puma. Il y a une famille là-bas, la famille Ati. Hein? Il y a une famille Ati là-bas. Et ce que j'ai dit, c'est relié à cette famille. Les enfants sont innocents. Mais leur arrière-grand-père était un sorcier. D'accord. Maintenant, regardez. Comme ils sont venus à la nuit des flammes, Dieu brise cette malédiction. Est-ce qu'on peut prier contre ça? Amen. Tous les jeunes. Hein? Tous les jeunes sont les fumeurs de chambre. Personne n'émerge à Puma. Oui, parce que ce que le Père dit, c'est vrai. Parce que à l'époque de ce sacrifice, on avait élevé les premiers fils. On a eu 14 colonels, un général, les 10 magistrats. Mais de la génération suivante, qui de la descendante, la personne ne reçut. Tous sont morts, d'accord. Hé, hey, attendez. Et ça vous dit une chose. Il y a une alliance sur Puma. Regardez, il y a une alliance sur votre village. Moi-même, je ne le savais pas. Quand je suis arrivé ici, l'Esprit de Jésus-Christ m'a montré ce secret. Vous avez eu des mauvais chefs et de bons chefs. Écoutez ce que je vais vous raconter. Vous avez eu dans la lignée des chefs de Puma un chef qui avait une alliance avec Dieu et qui a prié pour votre village. Mais il fallait un prophète à qui Dieu révèle cela pour prier pour que la chose arrive. Amen. Et que l'héritage soit libéré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez eu un chef. Ça fait longtemps. Cet homme est déjà mort. Non. Vous ne pouvez pas. Laissez. Vous ne savez pas où je suis. I'm very far. My spirit is very far from here. Mon esprit est très loin d'ici. Vous avez eu un chef qu'on appelle Mvain. Hein? Vous avez eu un chef qu'on appelait Mvain. Mvain. Qui est mort. Et cet homme avait une alliance avec Dieu. On l'appelait Mvain. Et il avait eu une bagarre de royauté dans votre village avec son grand frère qu'on appelait Mbede. 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 Est-ce que je me suivez? Allez vous renseigner. Cet homme qu'on appelait Mvain. Hein? Hein? Cet homme, il était chef. C'est dans le stade de ma mère. Hein? À Lorraine de Hegbapuma. Le quoi? Lorraine de Hegbapuma, c'était leur chef. On l'appelait comment? Mvain. Il avait un grand frère qu'on appelait Mbede. Il était mort le même jour avec sa femme. Jesus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, regardez. Votre roi, Mvain, a fait une alliance avec Dieu. C'était un païen, mais il a fait une alliance avec Dieu. Parce qu'il savait, son père lui avait dit. Son père, qu'on appelait Eboke. Eboke. Son père, qu'on appelait Eboke, qui était aussi un chef, lui a raconté ce que Ati avait fait sur votre village. Et Mvain a fait une alliance avec Dieu un jour. Il a prié. Il a pris une chèvre. Il a demandé au notable d'apporter une chèvre. Il a égorgé. Il a dit, je prie le Dieu des cieux. Que ce que Ati a fait sur ce village soit lavé. Il a demandé qu'on asperge le village avec le sang de la chèvre.
Et l'Éternel a exaucé sa prière. Amen. Et je me joins à la prière de veille. En faveur des enfants de Puma. Amen. Lève-nous, lève-nous, lève-nous. Tends la main vers les gens de Puma. Tends ta main. Commence à révoquer la malédiction d'Ati contre le village de Puma. Nous déclarons que la malédiction est changée en bénédiction. Amen. Et que l'alliance d'un vin parle en faveur de tout Puma. S'il te plaît, Église, ouvre la bouche et commence à prier. Spirit, my trust is with you, God. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Pray about autorité, mon ami. Pray about autorité. Comme tu pries pour son village, tu pries pour ton village aussi. Comme Dieu délivre pour moi, ton village est délivré de ces malédictions au nom de Jésus. Samarinaula ifilos merai. Soi, le blessa minaro paluta utalasa. Au nom de Jésus, on a prié. Père, merci parce que c'est brisé. J'avais dit qu'un vin est mort le même jour avec sa femme. C'est ce qui s'est passé. Hein? D'accord. Regardez, mes amis. Son épouse, je vous donne une révélation. Son épouse, l'épouse d'un vin, était une femme que Dieu connaissait. Une femme. Elle était diaconesse. Elle était diaconesse. Son mari était ancien de l'église. D'accord. Parce que quand je l'ai vu, j'ai vu une cohé. Hein? J'ai vu une cohé. Une cohé. Une cohé. C'est le nom de chez vous? Une cohé. Une cohé. Je l'ai vu. Je l'ai vu portant un nom cohé. Elle était de la famille cohé. Et c'était une femme pieuse que Dieu connaissait. Et Amen. Sa mort est une semence pour votre village. Amen. Elle avait dit. Hein? Elle avait dit. Le elle jour avait... que son mari est décédé, elle était à l'église. Là, moi, j'étais à JPL. Oui. Elle était venue le jour là. Dès qu'elle a suivi la nouvelle, elle a pris la nouvelle autant pour moi. Elle a dit, Dieu, je meurs pour la ville de Puma. C'est parce ce qu'elle que a dit. Oui. Elle dit, parce que c'est trop. Les enfants n'aiment plus aller à l'école. Et elle s'est étirée. Là, à l'église, elle était morte. Elle est morte à l'église. Maintenant, est-ce que vous avez raconté ça à quelqu'un ici? Non. J'ai causé avec vous quand je suis arrivé. Non, Dad. Jesus! Zameramina ute ita illa udala felosmen enoka. Sravo, 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 sravo. Regardez. Watch this. Vous savez. You know. Vous êtes marié. Are you married? Non, Dad. D'accord. Vous êtes prête pour le mariage? Oui, Dad. Vous aussi. You too. Maintenant, écoutez. Now, je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Comme je prie sur eux, tout Puma est délivré. Amen. Puma est délivré. Puma est délivré. Puma est délivré.